que la commande elle est ressortie de la boîte. De toute façon, c'est drapeau rouge encore. Thank you.
Et lundi matin, on rentre de Croix-en-Ternois. Ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. On disait qu'avec un moteur neuf, remonté avec son, et bah, tout irait bien, qu'on marquerait des points et qu'on ferait des belles courses. Bah, le moteur il a pas vraiment marché, il manque de puissance. On s'est rendu compte qu'il y a de la compression qui passait dans le bas moteur, dans le circuit de ville, qui vendredi après-midi nous a fait sauter un joint speed arbre à cam. Autant dire que j'ai mis de l'huile un peu partout. À ce moment-là, on n'avait pas vraiment fait le diagnostic, donc on, voilà, bénéfice du doute, on met le joint, on le colle, on met des rondelles pour pas qu'ils aient son aille, donc bon, là, c'était réglé. Et le lendemain, ça marchait toujours pas très très bien, et il s'est mis à ressortir toute l'huile du moteur par le reniflard, donc à peu près 1 litre toutes les 10 minutes. Donc là, ça a commencé à ressembler aux joints de culasse. On avait monté des joints de culasse standard. On nous avait dit de monter des joints de culasse renforcés. On aurait dû monter des joints de culasse renforcés. Donc, décision a été prise de sacrifier la course 1 de dimanche pour avoir le temps de déculasser, mettre des joints de culasse renforcés et faire la course 2 sans casser le moteur, donc disons en arrivant à l'arrivée. C'est tout. Je vois des moteurs boxeurs, hein, y a deux côtés à faire. Deux fois plus de pot. J'ai attaqué ça samedi en fin d'après-midi pour préparer le travail, et puis on s'y est mis avec Aurélie, avec Jean-Baptiste et Vincent qui nous a aidé, très gentil à lui, pour sortir les culasses et contrôler et remettre. Voilà. On était prêt 10 minutes avant la course, 15h, 15h30. J'ai pu finir la course, bon, sans puissance, hein, il doit manquer 40 chevaux, hein, au moins dans le moteur, mais sans consommation d'huile. Donc, voilà, course laborieuse à cause de ça. Voilà, un moteur qui marche pas, qui chauffe un peu, les freins qui marchent pas, pas de grosse bagarre, pas de grosse perf de pilote, mais néanmoins je dois finir 7e scratch, qui me ramène quelques points, et 3e en bas. Alors que viser la première place, la priorité ça va être de retrouver un moteur. Donc demain je vais au Mans chercher un moteur chez HM Sport, le monter dans la semaine et le roder. Fête Bretagne, on va pleurer pour avoir quelques créneaux de roulage pour le roder et vérifier qu'il fonctionne bien avant le Vigeon. Ça va arriver très très vite. Trop vite, je crois.